Résumé du Daf. Celui qui a dit sur la patte d'un animal qu'il est magdiche, qu'il est sanctifié pour Allah, on a une machloket Tanaïm à savoir, une machloket entre les Tanaïm à savoir est-ce qu'elle est tout entière Allah ou que sa patte est Allah. Mais la Gemara dit que s'il a sanctifié sa tête, selon tout le monde, elle est tout entière Allah. Deuxième cas, s'il a dit je sanctifie un bélier pour sa valeur, que sa valeur servira de korban Allah, puisque lui-même est apte à être Korban Ola, il devient automatiquement lui-même Korban Ola. Dans le cas où il ne sanctifie qu'un seul membre pour sa valeur, ici on a en safek à savoir, est-ce que on dit que si déjà ça, il est Kadosh pour sa valeur, ce membre-là, alors le membre lui-même est Kadosh, et puisque le membre est Kadosh, alors il est tout entier Kadosh, on ne dit pas comme ça, on dit qu'il n'est chayav que la valeur de ce membre-là, mais pas plus. Troisième cas, celui qui a sanctifié la tête d'un animal qui a un défaut, pour sacrifier avec sa valeur un korban hola, ici, il n'y a pas de safek, selon la maskana de la Gemara, la kdusha ne reste que sur sa tête et pas plus. De même, celui qui dit, la valeur de ma tête, je la donnerai au misbéar, c'est-à-dire pour en faire un korban, ici aussi, il ne rêve que la valeur de sa tête et pas plus, donc il sera associé sur la valeur de son corps, avec le Hekdesh. Il donne la moitié donc de la valeur de son corps. La Gemara ensuite pose deux sfekot, deux bayot. Premier safek de la Gemara, celui qui dit mon erer, donc ma valeur qui a été fixée dans la Torah selon mon âge, je veux la donner en tant que korban au Mizbéach, et finalement il n'a pas les moyens de donner autant. Est-ce qu'on le juge selon ses moyens, donc il ne doit pas donner plus que ce qu'il peut? Ou non, puisque c'était réservé au misbéach, il doit donner tout ce qu'il a promis. Deuxième safek, celui qui a sanctifié un champ, or la Torah a fixé un prix pour lequel on rachète le champ, mais la Torah n'a fixé ce prix-là que pour celui qui l'a sanctifié au Bedek HaBayit, c'est-à-dire au Bet HaMikdash. Mais cet homme-là, il a sanctifié ce champ-là pour acheter avec sa valeur un korban au misbéach. Ici, on aura un safek à savoir est-ce qu'on le rachète pour son prix, pour sa valeur, pour sa vraie valeur, ou bien on le rachète pour la valeur qui était fixée dans la Torah lorsqu'il a sanctifié au Bedek HaBayit. Ça reste en safek aussi. Deuxième sujet, un enfant qui n'a pas 30 jours, il n'a pas encore de erreur, il n'a pas de valeur fixée dans la Torah. Cet enfant-là, par contre, il a une valeur au marché, donc celui qui promet sa valeur du marché, il doit la donner. Celui qui promet son erreur, il est patour. Là-dessus, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, celui qui a promis le erer d'un enfant qui n'a pas 30 jours, ou bien celui qui a promis le erer d'un objet, alors que ceux-ci n'ont pas de erer dans la Torah, la Torah n'a pas fixé de prix moins de 30 jours ou bien pour un objet. Donc selon Rabbi Meir, puisqu'il a quand même promis, alors il faut accomplir ce qu'il a dit. Au moins, s'il ne peut pas accomplir à la lettre, au moins il devra donner sa valeur du marché, puisqu'il n'a pas de valeur dans la Torah. Et que selon Rabbi Meir, un homme ne parle pas pour rien, donc il faudra accomplir quand même sa parole. Selon Chachamim, il n'est pas tour parce que Adam motit dvarav levatala. Un homme peut, Kol halashon. pas de sens, il se permet de sortir ses paroles en vain, et donc il n'est pas tour. De même, celui qui sanctifie l'animal de son ami, alors qu'un homme ne peut pas sanctifier l'animal de son ami. Donc s'il a dit, je prends sur moi de cette bête-là, de cet animal-là, je prends sur moi d'en faire un korbanola, selon Rabbi Meir, dit Rav, il est, donc Rav le dit, même pas selon Rabbi Meir, Rav pense comme ça, qu'il doit donner sa valeur, puisqu'on ne peut pas accomplir sa parole autrement que de le rendre chayav de donner sa valeur, puisqu'il ne peut pas vraiment prendre la béma de son ami pour en faire un korban, au moins sa valeur, il doit la donner. Mais s'il a dit cette béma-là elle-même sera korban, il n'est pas tour, parce que vraiment, ça n'a pas de sens. Troisième sujet, le goy. On a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Houda. Est-ce qu'il est concerné par les valeurs fixées dans la Torah selon l'âge de la personne ou pas? De même, est-ce qu'il peut lui-même promettre une valeur ou pas? Selon Rabbi Meir, le goy, il a une valeur selon son âge, mais il ne peut pas promettre de valeur. Selon Rabbi Houda, c'est le contraire. Il peut promettre une valeur fixée de la Torah, mais lui-même n'a pas de valeur fixe, n'a pas de valeur. Et les deux sont d'accord que les goyim, ils peuvent promettre une valeur du marché de n'importe qui, au Beth Amikdash,
et eux-mêmes ont une valeur au marché, donc n'importe qui pourrait promettre leur valeur du marché au Beit HaMikdash. La Gemara dit que nous avons deux psukim, un qui inclut les goyim, un qui exclut les goyim, et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en machloket dans la Svara. Est-ce que je préfère inclure le goy pour dire qu'il a une valeur, ou bien pour dire qu'il peut promettre une valeur? Selon Rabbi Meir, on préfère inclure dans la Svara de dire que le goy il a une valeur, de même que le Cheresh et Katan qui n'ont pas de conscience, ils ont une valeur malgré qu'ils ne peuvent pas promettre. Pareil pour le goy. Selon Rabbi Yehuda, c'est le contraire. Ils peuvent, les goyim, promettre une valeur malgré qu'eux-mêmes n'en ont pas, comme le Tumtum Androgynos, qui, eux, peuvent promettre une valeur malgré qu'ils n'en ont pas. La Gemara dit dessus, sur cette marloquette, qu'il semble plus la Sevara comme la raison de Rabbi Yehuda, mais la Halakha, elle semble plus être comme Rabbi Meir qui dit que les goyim ne peuvent pas promettre de valeur. Malgré que la comparaison de Rabbi Yehuda semble plus vraie, qui compare le goy au tumtum androgynos qui ont une conscience et qui peuvent promettre malgré qu'ils n'ont pas de valeur, et pas comme Rabbi Meir qui compare le goy à Ocheresh et Katan qui n'ont pas de conscience. Le goy a eu une conscience, donc on ne devrait pas le comparer au Ocheresh et Katan pour dire qu'il a une valeur malgré qu'il ne peut pas promettre. On devrait dire plutôt comme Rabbi Yehuda qui dit, qui au contraire, il peut promettre parce qu'il a une conscience, malgré qu'il n'a pas de valeur comme le Tumtum Androgynos. Il est exclu de sa propre valeur. Mais quand même, la Halakha, elle semblerait plus comme Rabbi Meir, qui dit de ne pas accepter des goyim une promesse de don, parce qu'on voit à propos de la construction du Beit HaMikdash que les Bnei Israël ont refusé l'aide des goyim. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? On n'a pas de preuve de la construction du Beit HaMikdash où là on préfère refuser l'aide des goyim pour ne pas qu'ils nous raffaiblissent à construire le Beit HaMikdash. Mais une fois qu'il était construit, on peut déjà recevoir les dons des goyim.